Bonsoir, et c'est la nuit sur Europe 1, le temps de la libre antenne. On parle de vous, on croise nos vies, on échange autour des questions que vous vous posez. Je suis là pour vous écouter, vous soutenir, vous orienter, vous aider à y voir plus clair, et puis, pourquoi pas aussi, vous faire un peu sourire. Alors, j'ai glané pour vous ce soir une information amusante. Des chercheurs américains viennent de prouver que les jurons avaient un effet anti-douleur dans notre cerveau. Et qu'hurler des insanités marche 4 fois mieux chez les gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser un tel langage. Alors voilà pourquoi nous disent ces scientifiques que ça fait des siècles qu'on profère des mots interdits par la morale publique, vous voyez. Bon, mais alors, je compte sur vous, hein, ce n'est pas une raison pour vous laisser aller à l'antenne, hein, on est bien d'accord. Alors c'est Tassiba et Justin qui vous accueillent ce soir au standard au 39-21. Et Philippe Chartier, notre fifi national, qui lui ne dit jamais un mot plus haut que l'autre, qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 739-21, en commençant votre texto par le mot nuit, ou envoyer un mail sur le site Europe 1. Émission Libre Antenne. Et puis j'en profite pour remercier Gabriel Le pour son gentil message de ce soir. Je vous rassure, Gabriel, le site d'Europe 1 et les mails nous parviennent. 39-21, j'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Julien. Bonjour, enfin bonsoir. Oui. Vous allez bien ? Oui, très bien. Et vous ? Oh ben, ce soir, ça va. J'ai découvert votre émission et je voulais savoir si j'avais une place pour la libre antenne, en fait. Donc, eh ben, vous voyez, vous l'avez. La parole est à vous. Voilà, ben, moi surtout, je voulais parler d'un problème qui vient surtout du collège. Et, en fait, ça se résume en une seule phrase, mais je n'arrive pas plus à m'intégrer dans un groupe social, dans un groupe de travail, enfin dans un groupe de travail si, mais non, dans un groupe de classe, dans une classe, dans un groupe où il y a des jeunes de mon âge, c'est tout est perdu en fait, disons que en fait avec ceux de mon âge je suis un vrai connard en fait. Mais pourquoi vous êtes si dur? Oui. Vous voyez, c'est ce que je disais en introduction. Ça fait du bien. Non, mais là, c'est contre vous. Alors, c'est plus embêtant, là Julien. Là, vous voyez, les jurons contre soi, là, c'est néfaste. Mais quand vous dites tout est perdu, comment c'était quand vous étiez plus jeune en classe et vous avez déjà eu des amis ou, je ne sais pas, vous avez de la famille, des cousins, des gens avec qui vous entendez bien autour de vous? En fait, disons que j'ai... Deux très bons amis qui ont été un peu mes résistants durant ce collège et qui n'étaient pas vraiment fameux pour moi. Et c'est ceux qui ont permis... ces deux amis-là, c'est ceux qui me comprennent, vraiment. Mais vu comme nos chemins se sont séparés depuis 3-4 ans, oui. je n'ai plus vraiment de repères ou... Et depuis, je me suis formé un bouclier qui s'est refermé comme un piège. Oui, je n'arrive plus à me dessaisir de ce bouclier, en fait. Oui, vous voyez pas comment l'enlever, comment l'ouvrir. Vous savez, quand on se met un bouclier comme ça dans les relations aux autres, c'est souvent de la peur et de la peur du jugement des autres. Et parce que vous avez très certainement une des mauvaises croyances sur vous, enfin en tout cas une façon de vous voir qui est un peu dure, et vous pensez que les autres vous voient de la même manière que vous voyez. Oui, vous comprenez ? Mais en fait, surtout, ils me voient de la manière dont je me comporte. Pourquoi ? Donnez-moi un exemple. Ben en fait, disons que cette année, c'est un peu spécial parce que... je vais être plus doux avec les mots, vu comme on se lâche pas dans une libre antenne. Ah non. je suis dans une classe d'idiots, en fait. Une classe de? J'ai pas entendu. D'idiots. Oui. Parce que c'est surtout avec ce décalage qu'il y a, parce que
c'est un peu ridicule de ma part, mais dès que je commence à sortir une anecdote sur quelque chose, tout le monde se met à dire « Waouh, il est trop fort !» Mais alors que c'est vraiment pas le cas, alors que... Et alors, cette infériorité culturelle a eu soudain à la début de cette rentrée, oui. une supériorité que j'ai acquis et donc je me suis comporté d'une façon dont d'habitude je me comportais pas. J'étais quelqu'un de méchamment cynique. D'arrogant, de prétentieux. J'avais beaucoup de réparties que d'habitude. Avec la gente féminine, j'étais vraiment quelqu'un de misogyne et de méchant. Des fois, je dis des méchancetés, enfin des blagues misogynes qui ne faisaient rire que moi. Voilà, donc. Voilà, ça n'arrive que cette année dans cette classe-là, en fait, hein. Ça n'arrivait pas avant. D'accord. Mais en même temps, Julien, vous avez des amis en dehors de cette classe, enfin, ou des gens que vous voyez, je sais pas, en week-end ou autre, ou en soirée? Comme je vous ai dit tout à l'heure, vos deux amis, d'accord. Mais sinon, il n'y a pas d'autres gens avec qui, et vous en souffrez, aujourd'hui, en fait, j'imagine de ne pas avoir d'amis dans votre classe. Disons qu'à force, l'adolescence que j'ai vécue, je croyais avoir appris à vivre seul, mais la solitude peut nous ronge des fois d'une manière brutale. Oui, bien parce sûr. Il suffit juste d'une image, d'un moment qu'on voit, qu'on est spectateur, pour nous rappeler dans quel état où on est, en fait. Ce qu'il y a, Julien, c'est que vous êtes parti bille en tête en estimant que le groupe dans lequel vous étiez valait pas vraiment le coup, en fait, hein, que vous étiez différent d'eux. Si vous voulez et vous souhaitez créer des relations, il y a un moment donné à se mettre à la portée aussi, à trouver qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui fait lien, vous voyez. Oui, ça, mais après encore, ça fait partie de ce bouclier, comme je vous ai dit. Mais justement, là, pour le coup, c'est un peu avec vous-même que vous devez d'abord devenir ami, avant d'imaginer être ami avec les autres. Parce que les relations qu'on a aux autres, elles sont sur le modèle de la relation qu'on a avec soi, très souvent. Vous voyez, quand on se trouve pas intéressant, c'est rare que les gens nous trouvent intéressants. Quand on se trouve un petit peu intéressant, sans pour autant être arrogant, hein, j'entends, y a quand même des chances pour qu'on arrive à échanger, parce qu'on est soi-même intéressé par ce qu'on a envie de dire pour entendre la réponse de l'autre. Vous voyez, donc il y a un intérêt commun dans la discussion. On a un désir d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Ouais. Mais par contre, ce qui est paradoxal, c'est que quand vous dites qu'il faut être ami avec soi-même, pendant l'adolescence, j'avais tellement souffert de l'image que depuis 2-3 ans, maintenant, je me fiche complètement de mon image, en fait. Disons que je peux m'habiller comme un sac, mais au moins, je me dis que c'est une liberté de porter ce que j'ai envie, en fait. Avec un bémol quand même, Julien. Sauf c'est vous blesser en vous-même parce que vous valorisez ni à vos yeux ni à ceux des autres, vous voyez. Se négliger sur le plan physique, habillement, propreté, etc., c'est pas toujours un signe de liberté, c'est plutôt quelquefois. Hein, oui, d'accord. Hein. Mais par exemple, sur le plan vestimentaire, vous voyez, il y a une différence entre s'en fiche et mettre quand même, on va dire, présentable, et puis se laisser totalement aller et donner aux autres une mauvaise image de soi. C'est pas ça. Se délaisser dans le vestimentaire, c'est juste. Ouvrir au hasard mon armoire et prendre un t-shirt et un jean. Mais Julien, qu'est-ce que vous souhaiteriez
Parce que vous voyez, il y a un paradoxe dans ce que vous racontez. Oui. C'est qu'en même temps, vous dites, j'ai envie d'aller vers les autres, mais en même temps, les autres ne m'intéressent pas vraiment. Vous voyez, j'entends les deux éléments dans votre discours. Du coup, j'ai envie de vous demander, mais alors, il est où votre vrai désir ? Je veux bien être avec les gens, mais finalement, tous ces gens-là, je n'ai pas si envie que ça, vous voyez ? Mais en fait, j'ai... En fait, disons qu'il y a eu une sorte de transition où je suis passé dans un stade où je m'étais dit tu vas arrêter de pleurer pour des bêtises et tu vas décider à faire rire les autres. Et je suis passé dans un autre stade où je me suis dit que les gens étaient vraiment tous des idiots, et donc d'un côté cette transition là me je suis entre les deux et mais d'un côté vous savez ça me fait énormément mal quand je pense que tous les jeudis soirs, les soirées étudiantes vous n'y êtes pas dans mon lycée, tout ça. Vous avez quel âge, Julien ? Vous avez 20 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. 20 ans, d'accord. Et alors, il vient de me voir, me fait tu veux pas venir boire un coup ou faire un jeu ? Alors, par contre, je tiens à dire aux auditeurs qui font pas des jeux de soirées étudiantes, c'est un truc à se flinguer le foie. C'est quelque chose. Bon, enfin, bref, mais bon. Et franchement, ça me fait mal quand je leur dis non comme ça et que d'un côté, je suis désagréable avec eux, mais au fil de cette année, ils m'ont toujours ouvert les bras. Ah oui ? Bah dites-moi, Julien, alors, vous dites j'arrive pas à m'intégrer et les autres veulent pas de moi, c'est que c'est pas le cas en fait. Ah, j'ai pas dit que les. Ah oui, d'accord, vous avez du mal. En fait, finalement, c'est vous qui supportez pas les autres, c'est pas les autres qui vous supportent pas. Ah non. Enfin, les filles, c'est un peu ce que vous êtes en train de dire là. Là, enfin, vous êtes en train de dire. Surtout, les filles surtout me supportent pas. C'est oui. mais les autres vous acceptent volontiers si vous venez. Ben, je peux venir, venir de moi-même, mais ça reste 10-15 quarts d'heure maximum parce qu'après ça. Après quoi ? Après, c'est vous qui en avez assez ? Ben, parce qu'après, c'est un peu comme si on rentre dans une usine, on prend place dans cette Attendez, je voulais vous laisser finir parce que je crois comprendre quelque chose là. Vous voulez dire que en fait à un moment donné vous préférez vous extraire que d'aller un peu plus loin dans la relation, comme s'il y avait là, je sais pas, un ennui, voire pire, un danger. Enfin, vous voyez, il y a un niveau de relation que vous ne souhaitez pas dépasser. Un peu, mais pas trop. Enfin, il y a une distance. Il y a un souci dans la distance, non ? Oui, je me trompe. C'est exactement ça, parce que je me retrouve en plein milieu des soirées où il y a des gens qui viennent, qui tiennent tous à une bière à la main tout ça et alors ils discutent alors généralement ça parle souvent de filles et de relations on va dire légèrement ambiguës et alors moi j'essaie toujours de parler de ça avec beaucoup plus de subtilité parce que j'adore vraiment d'un côté ce qui est encore paradoxal c'est que j'aime bien parler des femmes mais avec beaucoup plus de subtilité que vos camarades après j'ai l'impression que ça se referme de l'extérieur en fait. Ils se mettent tous en groupe et après. Mais vous trouvez pas votre place en fait. Vous trouvez pas votre place. Hein. Il y a une histoire de place aussi dans le groupe. Oui, hein. Voilà. Quel est votre rôle ? Qui vous y êtes ? Quel rôle vous ? Hein, on est tous un peu chacun acteur hein, et on a tous dans le théâtre de la vie un peu des places et c'est jamais très facile de savoir quelle est la nôtre. Surtout, vous avez 20 ans hein, donc vous êtes encore jeune. Vous êtes encore à un âge où on se
connaît pas encore très bien et on a du mal à situer aux autres. En plus, à cet âge-là, on va vite dans le jugement hein, quand on est plus jeune. Il manque quelquefois le temps qui passe, la sagesse, un peu de maturité. Donc, pour vous, c'est un peu plus délicat parce que vous avez envie de parler de certains sujets que vos camarades ne partagent pas. Peut-être que, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un sport, une autre activité ou je ne sais pas, la bibliothèque, si après, enfin, vous aimez lire, enfin, vous voyez, trouver ou dans un art ou une autre discipline des gens qui vous ressemblent, avec qui vous pourriez discuter. Je vous dirais un seul mot, le théâtre. Ah ben voilà. Le théâtre, j'ai fait deux ans de théâtre et je vous dis vraiment, il a apporté un regain de... Parce que, vous voyez, Julien, bon, effectivement, vous pourriez continuer, parce que là, effectivement, on n'a pas énormément de temps, on est à l'antenne, et continuer à élaborer votre relation à l'autre, vous voyez, avec éventuellement un thérapeute ou en lisant des livres de psy, etc. Mais en même temps, bon, vous avez encore le temps et vous êtes jeune, mais peut-être aussi, ça signifie que, ok, vous faites des études dans un domaine qui ne correspond peut-être pas tout à fait à vos centres d'intérêt, qui vous êtes, donc les camarades avec lesquels vous trouvez, ne vous rencontrez pas sur les façons de... Hein, et c'est peut-être pas vous qui avez personnellement un problème, c'est cette alchimie de la rencontre et du terreau qui est peut-être pas tout à fait le bon pour vous. Vous êtes dans quel domaine d'ailleurs? Je suis dans un BTS, gestion et maîtrise de l'eau. Sincèrement, ça a été une erreur ce BTS, car j'ai eu cette trouille au bac de choisir mon avenir. Parce que je me dis que... J'avais 18 ans à l'époque. Je m'étais dit, mais j'ai que 18 ans à l'époque, mais comment avec une seule décision, Et alors, j'ai écouté mes profs, mais finalement, après 3 mois dans ce BTS, je me dis, mais pourquoi tu t'es pas écouté, en fait? Mais finalement, je vais arrêter. Je vais arrêter cette année. Arrêter. Ah oui. Vous voyez, peut-être que vous allez découvrir que, cette expérience de relation aux autres vous indique aussi que elle est peut-être pas là, votre place, j'ai envie de dire tout simplement, vous voyez. Je suis arrêté. Dans ce que vous décrivez, en tout cas, on a le sentiment que plus qu'un problème d'intégration autour de vous et de relation aux autres, c'est l'endroit où vous êtes qui convient pas. Non, et du coup, les gens qui sont dans cet endroit-là, vous voyez? Oui, non, mais après, surtout, je comprends pourquoi certains de mon lycée sont un peu, déprimés. Parce que ce qui m'a beaucoup gâché cette année, c'est que j'ai failli être viré 2 fois, en fait, par les représentants du lycée. Parce que... ils avaient une manière plus que scandaleuse de réprimer une autre liberté, en fait. Et vu comme moi, depuis exactement 5 ans, j'ai une idée en tête d'avoir une liberté qui m'est propre, en fait. Et oui, c'est ça. Vous avez un fort besoin ou sentiment de vouloir exister, Julien. Et vous sentez pas là où... Vous voyez, vous parlez de théâtre, enfin, la liberté de l'acteur, sa position, ça n'a rien à voir avec le fait de faire un BTS, c'est très différent. Peut-être que là, mettez à profit un peu les quelques mois qui restent là, de l'année pour engager un cycle un peu nouveau dans votre vie, un parcours qui vous convienne mieux. Mais c'est ça qui est bizarre quand même dans le théâtre, c'est que quand je suis sur scène dans les conditions du direct, d'un spectacle, c'est là où je me sens le mieux. Enfin, je veux dire, c'est là où je me sens le plus pourriez, être quelqu'un, en fait. Et vous pourriez peut-être éventuellement envisager un parcours dans ce domaine? Ben, en fait, comme disais, sachant que c'est difficile, hein. Oui, voilà. Oui, financièrement, ça ne boutit pas. Oui, non, voilà. Mais après, je vais m'orienter dans une faculté où
je vais prendre. En tout cas, là, vous voyez, Julien, il y a une orientation à revoir parce qu'en même temps, vous semblez être assez mature, vous voyez, intellectuellement. Donc, vous êtes sans doute pas à la bonne place, ce qui vous donne le sentiment. C'est quand on n'est pas à la bonne place aussi, on a un fort sentiment d'être différent. Et ce sentiment d'être différent, quelquefois, on peut se dire, ah bah, je suis pas normal, c'est moi qui ai un problème. Mais encore une fois, c'est sans doute l'environnement qui vous convient pas. Vous voyez, je reçois un texto pour vous, quelqu'un qui vous dit, Julien, vous souhaitez choisir vos amis, vous avez bien raison. Hein? Oui. Oh, c'est. Oui, mais en fait, disons que j'ai vraiment une définition particulière d'un ami, en fait. Oui, alors ça, on le sent aussi dans vos propos, et c'est là où je vous invitais à peut-être aussi prendre un peu de temps pour vous interroger sur vous-même et vos relations aux autres. Mais là, malheureusement, on n'a pas le temps, voyez, d'élaborer tout ça. Mais est-ce que vous pouvez encore passer un message dans ce cas? Oui, je vous en prie. Mais voilà, après, on laissera la place à d'autres auditeurs. Et voilà, ça ne va pas prendre longtemps. Mais le dernier SMS que vous avez reçu, ça me fait souvent penser à quelque chose que... Il y a beaucoup sur Internet, de gens qui me parlent, qui me disent souvent qu'ils sont enfermés dans un univers où ils ont 150 amis autour d'eux, qui doivent sortir le samedi soir en boîte de nuit. En fait, et qui le disent au fond d'eux que ce n'est pas par envie et que c'est par des obligations. Et là, ce que dit le SMS a vraiment raison. C'est que vraiment choisir ses amis, c'est pas en quelque sorte une liberté que, enfin une sorte, une formule que j'emploierais, mais l'important quand on est jeune, surtout en notre âge, c'est surtout de penser à notre liberté. À l'époque actuelle, on a vraiment, côté jeune, on en bave, mais un maximum. On est vraiment affublé par l'image que nous donne cette société. On nous dit de consommer, mais un jeune est un câble à cause de ça. Donc moi, je leur dis surtout, trouvez votre liberté qui vous est propre. Eh ben, c'est amusant parce que ce que vous dites, vous voyez, aux autres, c'est à vous de le faire pour vous, là, aujourd'hui. Hein, Julien? Oui, c'est ce qui vous incombe. Ça va être long. Ça va être long. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage de vous rencontrer et de trouver votre liberté, mais vous me semblez plutôt assez bien parti. Bonsoir, merci. Julien. Bonne nuit. Au revoir. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Et tout de suite, nous accueillons Lisa. Bonsoir, Lisa. Oui, bonsoir. Écoutez, j'ai un petit peu émue de vous avoir en ligne. Écoutez, je vais me lancer. Voilà. Vous inquiétez pas, on est juste toutes les deux. D'accord. Bon, alors, en fait, voilà, tout simplement, je voulais vous raconter mon histoire parce que j'ai un petit peu du mal à m'en sortir. J'ai connu l'année dernière, à la même période d'ailleurs, mois de mai de l'année dernière, avril-mai, un homme. À la base, je ne savais pas qu'il était marié. Donc, au bout de 3 mois, c'était dans une soirée. Ça s'est très bien passé. Je n'étais pas partie du tout pour rencontrer. Et c'est là où on rencontre. Et après, ça a bien accroché. Pour moi, il était divorcé. Il m'avait dit qu'il était divorcé. Puis, en fin de compte, il était marié. Je l'ai découvert au bout de 3 mois. À ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter. Je lui ai dit, on arrête et tout. 15 jours après, il est revenu en me disant que qu'en fin de compte, il ne voulait pas me dire parce qu'il ne voulait pas me perdre et que avec sa femme, ça ne va pas. Enfin, voilà, le schéma classique. Oui, pour l'instant, donc, c'est classique. Donc, j'ai cru sans y croire. Mais après, chaque fois, il me disait, écoute, tu ne vois pas que tous les week-ends, je suis avec toi. Effectivement, tous les week-ends, il était avec moi. Je voyais des choses, effectivement, il me disait c'est vrai, puis en plus il me disait au bout d'un moment il peut passer à une autre, hein. Et il s'accrochait vraiment, ce scénario-là a duré longtemps, et de plus en plus, moi je suis tombée amoureuse de plus en plus, parce qu'on est partis en vacances, on s'est assez régulièrement. Vous passiez pour un homme marié pas mal de temps ensemble.
Ouais. Oui, parce qu'il me disait, voilà, ma femme, elle fait une formation, je ne peux pas la laisser comme ça, elle est dépendante de moi, elle a besoin d'argent. Dès qu'elle finit sa formation, c'est convenu comme ça. Donc sa femme est au courant que vous existiez ? Alors, lui, il m'avait dit qu'il en avait parlé, oui, effectivement, parce qu'à un moment donné, je l'ai eu en ligne, elle m'a dit que, voilà, elle ne voulait pas. Et lui, il en avait parlé. Et en fin de compte, j'ai compris que sa femme ne voulait pas divorcer. Mmh. Parce que plusieurs fois, il voulait partir hein, quand même. Hein. Il voulait partir, il me dit « bon, je viens chez toi », etc. Et il n'arrivait pas, il n'avait pas le courage, il n'avait pas le cran. Voilà, il était entre les deux, on va dire. Hein. Et sa femme aussi avait beaucoup d'influence sur lui, parce que quand il était avec moi, il était avec moi. Et quand il était avec elle, je le voyais, il était insupportable, il changeait complètement. Bon, bref. À un moment donné, j'ai dit, écoute, on va arrêter là, hein, c'est pas la fin du monde, hein, voilà. Et le seul problème, c'est qu'il restait un mois maximum, hein, et il revenait chaque fois, tu me manques, on soit juste comme ça. En fait, après, c'était presque, il me faisait de la peine. Et puis bon, moi aussi, j'étais bien avec, mais vraiment, il faisait de la peine, je sentais qu'il était délaissé. Et vous aviez du mal à vivre ces ruptures ? Ou vous le viviez bien ? Oui. En fait, j'avais du mal, il me manquait. Hein, au fond de moi, je savais quelque part qu'il allait revenir. Parce que bon, il m'avait habitué un petit peu à ça aussi. Donc, j'étais dans ce schéma-là. Et bon, après, en fin de compte, il m'a dit, voilà, ma femme, elle va finir sa formation à telle date. Et la date est arrivée. Après, il m'a dit, oui, mais je ne peux pas, elle doit partir. Les enfants, bon, bref, encore, ça se décalait. Et le mois de septembre de l'année dernière, normalement, elle avait fini et tout. Je dis, bon, écoute, normalement, là, c'est fini. Donc, attends quoi ? Tu veux, tu veux pas ? Mais je ne voulais pas non plus le forcer parce que j'avais l'impression, je lui dis, si tu veux pas, c'est pas la peine. Il me dit, si. Et après, il me dit, non, encore, elle a des stages. Et là, j'ai compris, en fin de compte, que chaque fois, il y avait quelque chose, quoi. Et qu'il n'y avait rien au fond, quoi. Il ne voulait pas partir, oui. J'ai pris mon courage à deux mains. Je savais où il habitait. Je suis allée voir sa femme. Oui. Et là, sa femme, elle n'avait pas l'air du tout surprise de me voir, mais pas du tout. D'ailleurs, elle m'a proposé de prendre un verre. J'étais très étonnée. Elle me dit, écoutez, moi, vous n'êtes pas la première, vous ne serez pas la dernière. J'ai l'habitude. Mon homme, c'est un coureur de jupons. Voilà, s'il devrait partir, il serait parti. Moi, je ne le retiens pas. Moi, tout va bien dans mon couple, je sais qu'il ne me quittera jamais. Elle avait l'air sûre d'elle. Et ce qui m'a surtout très étonnée, c'est qu'elle m'a dit, écoutez, moi, en tout cas, si vous voulez rester avec lui, ça ne me dérange pas. Voilà. Mais sachez qu'il ne va jamais me quitter. Ouais. Et là, bon, tout s'est écroulé. Et depuis, donc, ça c'était au mois d'octobre de l'année dernière, et depuis, bon, elle a dû lui dire, et depuis, plus de nouvelles. Ah oui, elle a dû lui dire que vous vous étiez vus et depuis, il n'a plus donné de nouvelles. Voilà. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle lui a raconté, elle, sa version, parce que moi, je ne l'ai plus. Hein, et depuis, vous vivez comment la situation ? Alors là, moi, bon, au début, ça a été, quoi, parce que bon, j'étais un petit peu habituée, un mois, deux mois, parce que j'avais l'habitude de cette absence. Mais là, j'ai remarqué, bon, c'est vrai que le jour de l'an, il m'a pas souhaité bonne année. Bon, bref, après, c'était très, très mal. Hein. Et après, bon, je me suis dit, bon, c'est une période. Et là, je me rends compte que, mais j'arrive pas. Hein. C'est incroyable. Hein. Je ne sais pas comment m'en sortir. Et vous n'avez pas pu clore cette histoire, en fait, entre vous. Pas. Oui, non, mais... peut-être... Oui. C'est-à-dire que finalement, vous voyez, à un moment donné, plus de nouvelles. Avec vous, le schéma qui était qu'au bout de 2-3 mois, il revenait à chaque fois. Mmh. Et puis là, du coup, passé le délai, vous savez, on est tous un peu pavloviens. Vous êtes mais dire, tiens, c'est bizarre, le délai est dépassé. Vous voyez, vous avez bien vécu tant que vous étiez dans le délai habituel. Donc, cerveau, votre émotivité, enfin, tout a intégré ça. Puis passé le délai. Oui, c'était conditionné. Voilà, et puis passé ce délai, ben, vous avez commencé à rentrer dans une nouvelle attente. Ouais. Mais... en plus, avec un deuil qui n'est pas fait, avec pas une vraie rupture. Ouais. Vous l'avez proposé depuis de le revoir pour parler, mettre les choses à plat, non ? En fait, je lui ai envoyé un texto, j'ai dit, j'ai vu ta femme. Je m'attendais à ce qu'il m'appelle, hein, ne serait-ce que par téléphone. Même à la limite, il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Rien, il a disparu dans la nature depuis plus de nouvelles. Vous n'avez pas cherché à en avoir, hein, de votre côté ? Non.
Non, parce que je me dis, de toutes les façons. Non, mais oui, pas pour renouer, mais pour. La dernière fois que vous étiez quittée, vous aviez dit c'est fini, vous ? Non. Ah, voilà. Mais oui, c'est ça que je voulais savoir. Oui, donc, il n'y a pas eu de rupture claire et nette, vous voyez. Donc, c'est là où vous en êtes aujourd'hui, Lisa. Mais par défaut, pour moi, ça me paraît maintenant tellement évident parce que, bon, pour lui, je pense que, voilà, il laissait couler les choses un peu. Et il voulait pas au fond de lui, hein, ce que je pense, hein, la preuve, c'est qu'au fond de lui quelque part, il voulait jamais partir, quoi. Ah oui, non, ça c'est clair. Non, mais ça, vous savez, oui, c'est un drôle de couple où lui est sans doute dans une relation de soumission, la femme, vous voyez. Donc il y a quelque chose effectivement d'assez particulier dans ce couple-là. Hein. Mais mais sans vous rentrer là-dedans. Bon, au moins vous avez pris conscience que jamais il partira. Par contre, là, c'est là où vous en êtes. Si vous appelez ce soir, c'est essayer de vous aider dans là où vous en êtes aujourd'hui, dans le ici et maintenant. Oui. Or, vous souffrez de quelque chose qui finalement n'est pas clair, pas net et mal fini, vous voyez. Exactement. Et que là, je sors. Oui, mais une autre histoire peut pas arriver quand quelque chose. Vous savez, les histoires d'amour, on dirait un peu. J'ai envie de dire, vous savez, des dossiers ouverts ou des mails ouverts. Alors, si quelque part ou des livres, des romans, c'est plus joli. Alors, si on n'a pas refermé un roman d'un amour, c'est très difficile d'en ouvrir un autre en même temps. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, on peut aimer deux hommes ou deux femmes en même temps. Oui, bien sûr, hein. C'est la fameuse histoire de Jules et Jim. Mais là, après une rupture, c'est plutôt finalement même d'ailleurs après les ruptures. C'est-à-dire, on se rend compte, vous voyez, même après les divorces, c'est toujours compliqué de réenclencher une histoire derrière tant que la précédente n'est pas cicatrisée. Mais à la limite, je cherche même pas vraiment maintenant une histoire d'amour. Je comprends, c'est vrai. Je vais connaître, au moins, voilà. Mais il est là. Je suis même pas attirée par quelqu'un. Je n'arrive pas. Enfin, je ne vois pas. Enfin, c'est pas que je vois pas les hommes, je les vois. Mais... Oui, mais vous pouvez être en attente inconsciente, Lisa. Vous savez, on a des attachements inconscients. Oui. C'est-à-dire que, vous cherchez pas, mais vous dites vous-même, je les vois pas. Vous les voyez pas parce que vous êtes. Ah non, je les vois pas. Et le pire, je vais vous dire, parce que lui, il est taxi. Et le pire, et ça, c'est l'horreur. Je vois ce que vous allez dire. Ouais. Des fois, je suis, je marche avec des copines, des amis, des gens. Et dès que je vois la marque d'une voiture taxi, je pense que c'est lui. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu as de retourner ? C'est instinctif. Oui, parce que vous êtes encore avec lui. Inconsciemment, Lisa, vous êtes encore avec lui. Et c'est pour ça, peu importe, vous voyez, de savoir de rencontrer ou quoi, là, vous avez un lien qui est encore très fort sur le plan émotionnel, affectif, en partie inconscient, et qui fait que vous n'êtes pas libre. Et comment je vais comment ? Alors déjà, peut-être, ce serait bien que vous puissiez le voir pour lui parler. Ça vous ferait du bien. Si vous ne pouvez pas le voir, lui écrire un mail ou une lettre, enfin ce que vous voulez. Mais il faut que vous arriviez à dire ce que vous avez sur le cœur, parce que ça ne vous encombrera pas. Voir éventuellement, ni lui envoyer, ni le lui dire, mais au moins le mettre sur le papier. Et on a été déjà dans ce cas-là, mais le souci, c'est que comme il y a un lien très fort, en fait, entre nous, une attirance énorme, on a essayé plusieurs fois de vraiment de finir. Oui, mais là, l'histoire a changé. C'est-à-dire que là, je suis d'accord, mais souvent, on se rend pas compte que dans la vie, la situation est jamais tout à fait la même que même hier ou avant-hier. Et on se rend pas compte et on a les réflexes ou les croyances ou dans le cerveau de l'histoire d'avant en pensant que ça va se répéter, voilà. C'est pas tout à fait vrai, oui, surtout on est libre. Je sais que si demain je le vois, même si je parle, je peux ressombrer et je peux retomber encore. Parce que lui, si je le rappelle ou si je le ressollicite, il va se dire, bon, maintenant elle est au courant de tout, elle sait que je ne vais pas partir, bon, si elle me sollicite. Il va croire que je fais encore du cinéma. Et vous, je vais dire que c'est un peu provoquant, mais est-ce que vous verriez continuer une relation avec lui le temps que vous apprivoisiez l'idée que ce ne ferait pas votre vie avec lui, mais vous pouvez faire un bout de chemin parce que visiblement sa femme a l'air d'accord. Oui. J'ai essayé, j'ai une amie qui m'a dit, écoute, si vous êtes amoureuse et si...
Non, parce que quand je suis avec lui, je me rends compte que je suis vraiment possessive, j'ai du mal à m'expliquer en chez lui. D'accord. Enfin, voilà, donc c'est pas une bonne relation pour vous, d'accord. Non, d'accord. Non, non. Donc je ça c'est pas un bon choix. Oui, non, oui, oui, c'est pas un bon choix. Donc vraiment l'oublier non hein, parce qu'on n'oublie pas nos oui, histoires, mais elle peut être jolie oui. et bien rangée dans un joli mais, album. En fait, un petit peu penser à autre voilà. chose. Voilà. Mais passer à autre chose, il faut alors si vous avez peur de le revoir et de replonger, lui écrire soit un mail soit une lettre en lui parlant de vous et en lui disant que vous avez besoin de créer une vraie rupture pour vous. Pas, vous voyez, vis-à-vis mais lui, de lui, mais pour vous. Il ne va pas croire à mais ça. Mais ce n'est pas grave, vous le faites pour vous, ça. Mais il va me rappeler, il va me dire... bon. Écoute, vous êtes voilà, sûre puisqu'il ne vous rappelle pas parle. Oui, mais attendez, Lisa, il ne vous a pas rappelé, là, hein, depuis... C'est pas ah sûr oui, qu'il oui, vous rappelle. Parce que je pense qu'il a vraiment... Il a, parce que comme sa femme a tout dit maintenant... il a un peu honte. Il a beaucoup honte. Mm. Et puis il se dit, là, c'est mort. Mm. C'est même pas la peine. Mm. Je reviens... Oui, alors qu'il pense... Voilà. Oui, vous pensez qu'il va prendre votre lettre pour une ouverture, mais tout dépend de ce que vous voilà, lui dites. Voilà. D'abord, tout dépend de ce que vous lui dites. Et d'autre part, même s'il souhaite vous voir, rien ne vous empêche en le voyant... si vous êtes décidé, hein, c'est à vous. Vous savez, choisir, c'est renoncer. Ah, c'est terrible, c'est affreux, mais faire un choix, c'est renoncer. Si vous faites le choix de ne plus continuer cette relation, vous renoncez à lui. Et il faut vous y mais tenir parce renoncer. Que. Mais pourquoi il ne sort pas de ma tête parce que vous n'avez pas choisi. Parce que le choix, il n'est pas fait, Lisa. Parce que vous pensez qu'il mais va partir choix, tout seul. Il s'était de lui-même le choix de toutes les non, façons. Non, non, non. Le choix, il se fait jamais de lui-même. Oh. Nos choix, on les décide, on les a en nous, on les forme, si vous voulez. Oh. On les forme, on les crée, on les façonne, on les voilà. Et dans notre cerveau, dans notre cœur aussi, dans nos vies. Et donc là, vous voyez, c'est un non-choix, une non-décision. Et une non-rupture. Donc, vous êtes tout dans le non, 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 non. Non, non, non. Ouais. Et donc, du coup, ça occupe. Oui, mis à part, bah, envoyer un mail parce que j'ai... Oui, et bah, choisir, c'est-à-dire prendre une vraie décision. Une vraie décision. C'est-à-dire une décision pour vous. Vous voyez, une décision oui. qui dit... Parce que vous me l'avez dit, et c'était bien, c'était clair. Quand je vous ai proposé autre chose, vous avez dit non. Je ne veux pas parce que je vais souffrir. Donc, ça, vous êtes en train de formuler quelque chose qui est dans le respect de vous. C'est fort, ça. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire, oui, je l'aime, mais cette relation va me miner parce que je me connais, je suis possessive, j'ai envie de voilà. Donc, vous voyez, donc vous êtes très clair. Et ça, c'est très respectueux de vous-même parce que c'est se dire, voilà, je me connais, voilà mes limites. Oui, c'est vrai que cet homme me plaît, c'est vrai qu'à plein d'égards, je suis très bien avec lui, mais je sais aussi le prix à payer. Et ce prix-là, j'ai pas envie, je suis pas prête. Elle est là, la décision, Lisa, mais elle doit être conscientisée, elle doit être... Vous voyez, là, je suis en train de vous mettre des mots dessus, mais à vous d'en rajouter d'autres. Hein. Mais vous voyez, tout ce discours à l'intérieur de vous, il faut le créer parce qu'aujourd'hui, il n'est pas tout à fait créé. Et en mais le créant. Faire, par exemple, quand je suis avec un homme, le fait. Mais comment faire pour que, quand je suis avec quelqu'un, je le compare toujours à lui, je pense toujours, je dis ah non, lui, il était comme si. Il est toujours omniprésent oui. dans mes pensées. Oui, c'est toujours un peu normal, ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'histoire d'avant qui souvent est présente dans l'histoire suivante. Enfin, vous savez, on fonctionne beaucoup comme ça, par comparaison. Oui, mais on me dit, voilà, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas voir avec le temps. Oui, il faut scratcher le disque dur. Vous savez, il faut faire suppresse. Non, je plaisante en riant. Oui, mais non, je sais pas, un bouton comme non, ça. Ce serait génial d'ailleurs hein, si on pouvait ça faire ça. Clair, mais oui, il n'empêche, oui, mais en plus, ça, je blague qu'à moitié, suis... Lisa, parce que vous savez, encore une fois, on ne se rend pas compte de la puissance. De notre volonté, ouais, de notre volonté sur nos actes et de notre façon de pouvoir choisir et la puissance qu'on a de dire non, c'est comme ça que je veux faire. C'est le philosophe Épictète qui disait notre volonté est don divin sur tout ce qui dépend de nous. Il est de notre devoir d'agir. C'est une façon fondamentale de reprendre le cours de sa vie, lui donner l'atteinte que l'on souhaite. Et c'est aussi, vous savez, on parle souvent de redevenir acteur de sa vie, bon, c'est blabla en développement personnel, et pas spectateur de ses actes. Hein. Ouais. Mais c'est que, souvent, le c'est bien ce que dit Pitette, mais le problème, c'est qu'on a souvent tendance à vouloir ce qui nous cause de la peine, ce qu'on ne peut pas avoir, on désire souvent ce qu'on ne peut pas obtenir, ou, vous voyez. Alors, en fait,
En fait, pour y arriver, c'est le jour où on renonce, hein. C'est-à-dire que on se perd pas soi-même, quoi. La vie, on passe notre temps à lutter, voilà, pour être au plus près de soi, au plus près de ses rêves. Et là, vous êtes là-dedans aujourd'hui. Il y a la Lisa qui sait finalement assez bien ce qu'elle veut et qui a juste du mal à le réaliser, vous voyez, parce qu'elle a, il y a une volonté là à exercer. C'est pas rigolo, ça, hein, ce que je vous dis, mais c'est tout à fait ça. Ouais. Mais en plus, moi, j'ai connu quand même quelques hommes dans ma vie. Je suis de nature quand même assez forte. Mmh. Bon, quand c'est fini, souvent, en plus, c'est moi qui. Oui, mais là, c'est mal fini, Lisa. C'est mal fini. En plus de ça, je pensais aussi quand même à ma copine. Il y a le côté inaccessible parce que souvent, bon, c'est des hommes que j'ai eu, que ça s'est passé pour x ou y raison. Bon, mais là, en fait. C'est vrai que je le voulais, j'ai pas pu l'avoir. Enfin, un péjoratif, oui. Bien sûr. Oui, oui. J'ai pas pu réaliser ce que je voulais. Et c'est pour moi un échec. Hein, oui, mais ça, c'est la frustration. Ah oui, alors là, vous touchez un autre sujet dont Freud a très bien parlé, la frustration. Ah oui, C'est-à-dire qu'on est un peu tous comme ça. Hein. On désire ce qu'on peut, ce que je vous dis à l'instant, on désire souvent ce qu'on ne peut pas avoir. Et cet homme-là, cet homme interdit, il est drôlement plus intéressant et plus attrayant que l'homme autorisé, dont finalement on va dire, oh ben non, j'en ai fait le tour, j'en veux plus. Plus intelligent que lui, plus beau que lui, plus tout ce que lui. Et que lui, des fois, même. On me dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a, cet homme, il n'a rien de spécial. Mais c'est ça, c'est la frustration. Mais c'est l'homme interdit. Alors, vous voyez, il y aurait peut-être des choses intéressantes pour vous à travailler avec un professionnel ou un psy. Mais voyez, surtout ce qui est... je ne sais pas si vous avez souvent, vous voyez, comme ça, rencontré des hommes mariés ou aimé des hommes mariés, mais non, il y a souvent des profils de fois. Femmes. Non, oui, d'accord. Voilà, donc ce n'est pas un truc récurrent. Ce n'est pas un scénario chez vous. D'accord. Ah, pas du tout. C'est d'accord. La première fois. D'accord, oui, c'est intéressant. Et souvent, je prenais ça à la rigolade. Je disais, oh, comment une femme peut pas se séparer d'un mari, c'est pas possible, ça, c'est moi. Mais... Et là, en fait, quand je suis témoin, alors là, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Ah, ouais. Là, je comprends mieux les histoires de. Parce que j'ai une copine comme ça, et jusqu'à présent, elle est dedans encore, hein, là. Elle accepte tout, elle est dans le côté, oui, j'accepte même s'il est marié, c'est pas grave et tout. Mais c'est. D'abord, l'interdit est attrayant, et puis l'idée que, voilà, on est attendre l'amant. Vous savez, il y avait un très joli livre, c'est Passion intime d'Annie Ernaux, je crois, hein, qui attend un homme comme ça marié et à qui elle se donne. C'était un très joli livre sur cette passion dévorante, en fait, hein, de cette femme qui attend l'homme. Avec un grand H. Hein. Donc il y a beaucoup de fantasmes là-dedans, beaucoup de fantasmes, beaucoup de frustrations. Il y a beaucoup d'aspects psychologiques, hein, forcément, Lisa. Mais là, je vous sens quand même, vous voyez, ce qui m'impressionne, c'est assez clair avec ce que vous connaissez bien pour dire c'est pas une histoire qui me va parce que moi, un truc comme ça me ferait souffrir. Quand vous dites ça, vous n'êtes pas dans la demi-mesure. Vous connaissez bien, vous dites. Par contre, ce que je sens plus difficile pour vous, mais c'est normal, c'est ce choix, c'est renoncer. Bah, c'est de renoncer, c'est de faire le vrai choix. Alors, peu importe, effectivement, là, je vous disais, bon, de lui écrire, peu importe, à la limite, le moyen que vous prendrez celui que vous sentez le mieux. Mais réfléchissez plutôt, là, pour le coup, à l'intérieur de vous, à ce que vous souhaitez, la justesse de ce que vous souhaitez, le comment vous le souhaitez, voyez. C'est pas le pourquoi vous le souhaitez, c'est le comment qui va vous... Parce que le pourquoi, vous l'avez déjà. Pourquoi vous y avez répondu, là. Maintenant, c'est comment vous voulez une relation pour vous. Comment vous envisagez, vous voyez. Et ça va vous donner une grille. J'essaie toujours de voir tout ce qui est négatif, hein, tout ce qui m'a fait souffrir, tout côté machin. Bon, à ce moment-là, je me dis, ouais, non, ben là, franchement, bon. Et là, je le hais, en fait, au fond de moi. Je me dis, bon, c'est pas plus mal comme ça, etc. Et puis, dès que je vois un couple, dès que je passe dans des endroits où on est allé, dès que je vois des trucs comme ça, hop, ça revient. Bon. Ouais. C'est pas non plus, je pense pas à lui tout le temps, où je suis pas, je me morfonds pas, hein, je suis pas, mais j'ai l'impression que quand même, j'ai remarqué, parce que là j'ai eu pas mal d'occasions quand même, que c'est un frein pour moi pour connaître un autre homme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, il occupe le terrain, hein, il est là. Ah, hein, complètement. Avec les souvenirs, avec tout. Il y a un livre à refermer, il y a le livre de cette histoire. D'ailleurs, gardez-en les meilleures feuilles, j'ai envie de vous dire, Lisa, c'est-à-dire les meilleurs souvenirs, parce que c'est ceux-là qui vont le mieux vous aider à passer le cap. Ah oui ? Oui, parce que vous allez être heureuse de ce que vous avez vécu. Ça va vous nourrir.
Si vous dites, voilà, j'ai vécu une super histoire ces week-ends, c'était top, on a fait des super voyages, oh là là, je me souviens. Vous allez vous faire du bien, vous voyez, tous ces bons souvenirs vont vous nourrir. On n'arrive pas à prendre la décision après de dire, ben voilà, quand même, voilà, c'est fini. C'est difficile quand on pense le positif et de dire, voilà, c'est fini, se raisonner avec ça. Très difficile. Hein. C'était plutôt que de penser l'histoire avec nostalgie, dans lequel il y a toujours une petite pointe de regret, de « ah, c'était mieux avant », c'est penser l'histoire avec le bonheur de ce qui a été vécu. C'est très épicurien ce que je vous dis, mais voilà, hein, c'est... Et pourquoi lui m'a fait souffrir comme ça, tout en sachant qu'il n'allait pas partir pendant... Mais il en fera souffrir d'autres, Lisa. Alors là, ne vous inquiétez pas, c'est le profil. Mais d'accord, mais après un moment donné, quand, bon, je sais pas, il y avait des ruptures. En plus, moi, volontairement, je dépassais certains caps en lui disant, voilà, t'es pas un homme, ta femme, c'est elle qui gère tout. Hein. Enfin, je me disais, bon, voilà, maintenant, il va passer à une autre, quoi. Voilà, c'est lâche-moi, bon, laisse-moi tranquille. Je veux quelque chose de stable. Tu ne peux pas me l'apporter, ok. Oui, mais vous devez vous sentir sans doute... voyez, très aimante, très forte, vous ne deviez pas être tout à fait comme les autres. Donc, il revenait à chaque fois, malgré l'humiliation, malgré des fois le... Je reçois un SMS pour vous qui dit « On ne renonce pas à des yeux qui vous admirent comme ça. Tant il y a du fondateur dans ce regard, dit Piloge. Voilà, c'est joli et que voilà, vous êtes l'oasis d'un désert qu'il ne veut pas quitter. Ce rêve, cette chimère vous étourdit autant que lui, vous enivre car vous y êtes idolâtré. » Et lui aussi, il y est, sans doute. Je ne sais pas s'il pense à moi, parce que je pense que lui, il a dû, comme vous dites maintenant, déjà solliciter une autre, et c'est sa façon d'être, puisqu'a priori, c'est ce que disait sa femme. Mais voyez, oui, mais il y a Stéphane qui vous dit aussi, j'ai vécu la même chose, et faites attention, c'est peut-être sans doute Stéphanie, faites attention à vous, il faut vraiment prendre du recul et ne pas idéaliser ces histoires sans fin. Ouais, c'est que la signature c'est Steph, donc la signature est... Mais là, ne vous demandez pas pourquoi il agit comme ça, parce que alors là, c'est du poison. Hein. Vous pouvez y passer votre vie à vous demander pourquoi. Ah ben oui, là, des fois, c'est ça. Et des fois, je passe des soirées à parler. Et même à mes copines, j'anticipe. Hein, je leur dis, dès que je commence à parler, vous m'arrêtez. Vous me dites, hop, on change de sujet. Non, mais parce que je me dis, mais pourquoi c'est... Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi? Parce qu'après, à un moment donné, bon, peut-être... Vous n'avez pas la réponse, vous n'êtes pas dans son histoire. Je n'aurai jamais la réponse. Et ça, c'est un truc trop douloureux, ça. Ça, faut lâcher ça, Lisa. Oui. Concentrez-vous sur vous et pas sur lui. Parce que, en plus, vous savez, c'est un peu confortable pourquoi il m'a fait ça. Parce que, enfin, quand je dis confortable, c'est douloureux. Mais le bénéfice secondaire du truc douloureux, hein, c'est que, en fait, ça vous évite de vous... poser, de vous centrer vous dans l'histoire du qu'est-ce que je veux vraiment maintenant. Bah oui, pourquoi il m'a fait ça, ça vous renvoie dans le passé et ça vous évite de vous projeter dans le présent et l'avenir. Je me dis, peut-être qu'il pense encore à moi, peut-être qu'il n'est pas loin de la maison. Possible. Et alors je me fais des films toute seule, mais je me dis, mais c'est pas possible de que je continue comme ça. C'est pas bon pour moi, parce que peut-être... Enfin, c'est du peut-être. Ben, c'est pas bon et à la fois du bon. On adore tous les fantasmes. C'est tellement confortable de vivre dans l'imaginaire. C'est tellement sympa de se raconter des jolies. Et même des mauvaises histoires d'amour, c'est sympa de se raconter. Je suis très cartésienne, hein, moi, je suis pas du tout dans... Ouais, bah si, regardez, vous voyez. Il m'a fait chambouler cet homme, c'est un truc. Mais l'amour, vous voyez, c'est quand même la plus belle chose dans la vie parce que c'est ce qu'on maîtrise pas. Alors c'est ça qui est bien, voyez. Ouais. Parce que c'est dans ce qu'on maîtrise pas que ça nous oblige à nous, voyez, à toucher là un truc un peu compliqué. Il a l'habitude de faire ça. Lui, il m'a plus en fait détruite. Hein. Pour moi, je me sens qu'il m'a un peu détruite parce que non, je trouve vous ça mettez cool. pas. Ouais, mais là, vous voyez, quand vous dites ça, vous vous mettez en position de victime. Mais si, parce que il m'aurait dit la vérité dès le départ. Il me dit, voilà, Lisa, écoute-moi. Et, voilà, et alors quoi, vous auriez... Tu ne fais pas ma femme, tu me plais beaucoup, tu m'attires. Ça se trouve, j'aurais accepté. Hein. Ça se trouve, j'aurais comme ça. Mais il ne m'a pas dit ça. Il m'a donné l'espoir, l'espoir d'être avec moi. Et qu'il était follement amoureux, qu'il allait tout faire pour être avec moi, que son seul rêve était d'être avec moi. Oui, on est deux dans une histoire, Lisa, toujours. On est toujours deux. On n'est jamais... Ce n'est pas un qui fait tout.
C'est 50-50, c'est la relation, elle se crée, et voilà. Et épiloguer sur « il aurait pas dû, j'aurais pas dû », enfin, vous pouvez y passer votre vie, puis là, vous faites mal, vous voyez, c'est pas, c'est pas constructif. Mais en plus, je sais qu'il aime pas sa femme, je sais, parce que ça se ressentait qu'avec, ils sont en couple, mais il y a plus rien entre eux. Même elle, hein, lui, il m'a dit pour un plan financier, elle, je sais pas, peut-être qu'elle l'aime, je sais pas, mais voilà, dire voilà, écoute, moi je quitterai pas ma femme pour X ou Y raison, je m'en fous à la limite. Mais voilà, tu me plais beaucoup, voilà, on partage de bons moments. D'accord Lisa, mais là vous voyez, là quand vous partez comme ça, vous voyez, c'est l'hamster dans la roue, hein, vous êtes parti et il ressasse. Hein, et l'hamster, il peut tourner toute la nuit. Alors maintenant, il faut que l'hamster il sorte de la roue, là, tout de suite, maintenant, tout de suite, il va chercher ses graines, et puis ça va lui donner de l'énergie, et puis il va faire un vrai choix. D'accord Lisa? Ok, en tout cas, allez, merci beaucoup. Bon courage, bonne nuit. Bonsoir Lisa, au revoir. Au revoir, bonne nuit. Sophie Peters sur Europe 1. Sur Europe 1, c'est Libre Antenne, l'heure où on peut se laisser aller aux confidences, à la rêverie, mais c'est aussi l'heure où les angoisses se font plus vives au cœur de la nuit. Alors si vous ressentez le besoin de partager ce que vous vivez, ce que vous éprouvez, je vous invite à composer le 39-21. Vous serez accueillis ce soir par Assiba et Justin. Vous pouvez aussi réagir à tout moment par internet sur le site d'Europe 1 ou par SMS au 739-21 en commençant par le mot nuit. Alors j'en profite pour remercier Sergio par son SMS qui nous a beaucoup fait rire. Je vous disais en introduction de cette émission que des chercheurs américains avaient prouvé que les jurons avaient un effet antidouleur dans notre cerveau et que voilà pourquoi ça faisait du bien de se lâcher. Alors je peux malheureusement pas vous lire le texto de Sergio à l'antenne, mais voilà, je l'ai lu à Fifi, à toute la régie, et on a beaucoup rigolé, et visiblement Sergio se sent beaucoup mieux. Je crois qu'il a bien apprécié le conseil. Et puis j'ai un petit mail pour Julien à qui, si vous écoutez encore, on vous dit que vous êtes tout à fait remarquable. Surtout quittez votre BTS et foncez dans le théâtre, vous y trouverez votre chemin, ça se sent, et cet ami de la liberté finira par être le plus dictatorial des metteurs en scène. Voilà Julien, bonne route à vous. Allez, je compte sur vous, 39-21, et sur vos appels. À tout de suite. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir Sophie, ça va? Oui, et vous? Et vous? Oui. Et dites-moi, vos oreilles sont pas trop, trop échauffées là, depuis une heure? Non, elles vont toujours assez bien. Il fait une douce chaleur dans le studio et on s'y sent bien, voilà, et on a tous le sourire. D'accord, bon, bah, tant mieux. Non, parce que disons que je trouvais les deux auditeurs précédents particulièrement bavards, enfin bon, avec un débit verbal assez... assez important, quoi. Ah bon, bah écoutez, c'est souvent comme ça hein, dans la Libre Antenne. Les gens sont là pour s'exprimer et raconter, nous raconter un petit bout de leur chemin, de leur vie. Oui, tout à fait, oui. Voilà, juste avant de vous parler, à propos des gros mots, je trouvais ça... Enfin, je ne sais pas qu'il y avait une étude américaine qui avait été faite. Ah, vous savez, on trouve toujours des études américaines. Oui, enfin bon, ils ne sont pas les seuls, quoi. Non. Mais je trouve rigolo qu'ils aient réalisé une étude là-dessus. Mais à propos des gros mots, je sais qu'avec mon fils, qui est encore un peu jeune, et qui connaît un certain nombre de gros mots, et à qui j'expliquais que c'était un régal de temps en temps de les dire, et que c'était en bouche comme si on les mâchait, comme si c'était de la bonne nourriture. Bon, maintenant je suis pas là pour les lui apprendre, mais il les apprend tout seul en servant de ses oreilles, et je sais pas, peut-être qu'un jour un peu plus tard je lui dirai tiens, et allez, on va s'amuser pendant 4-5 minutes à balancer tous les gros mots possibles
comme ça juste pour s'amuser. Alors, en fait, l'étude des Américains, c'était à propos de la douleur. Hein. En fait, ils ont fait une étude, ils ont plongé les étudiants, les bras dans de l'eau glacée, en fait, avec un bac, certains juraient, et les autres, non. Et alors, avec des électrodes dans le cerveau, ils se sont rendus compte que ceux qui juraient supportaient beaucoup mieux la douleur, si vous voulez, des mains dans l'eau glacée. Voilà, c'est rigolo. Donc, c'est pas pour s'amuser, c'est pour s'alléger. Oui, mais aussi, je trouve ça très amusant par moment d'en dire. Enfin, je sais pas, je trouve ça exactement savoureux. Quoi, voilà, c'est savoureux. Oui, c'est un joli mot, savoureux. Voilà. Alors, Olivier, vous vouliez nous parler un peu de vous ? Non, de moi, non, parce que je n'ai pas particulièrement grand-chose à vous raconter à propos de moi. Non, il y avait juste... je discutais avec Justin, quand je lui ai dit la raison de mon appel. C'était la raison d'être des relations entre les gens. Et ce n'est pas nécessairement pour parler de moi, parce que ça n'offre pas grand intérêt, je trouve. Et simplement, mon questionnement était là-dessus, parce que, comme je l'expliquais, ça m'est arrivé, j'imagine, c'est arrivé à tout un chacun, de temps en temps, de se rendre compte qu'il y a une très grande proximité entre les êtres. Et l'image que j'utilisais, je lui disais, à un moment, par exemple, on va avoir deux personnes et on va sentir, et si on pouvait matérialiser ce lien qui existe entre les deux gens, ce serait une espèce de câble qui pourrait être, qu'il faudrait couper avec, je ne sais pas, enfin, un appareil très, très solide. Et puis, de temps en temps, vous allez passer entre ces deux personnes. Et comme je disais à Justin, même si l'image est un peu excessive, je dis, c'est comme si vous aviez deux amas de chair et vous passez entre, et vous demandez, pourquoi il y avait un lien entre ces deux personnes? Alors Justin me disait à juste raison cette interrogation que j'ai n'a rien d'exceptionnel. Enfin, c'est pas les mots qu'il a employés, mais enfin disons que c'est quelque chose, un sentiment, je pense, assez courant que l'on peut vivre. Mais bon, pour moi, enfin quand je ressens ça, je me demande l'intérêt de la relation entre les êtres. Et puis ça me rappelle les interrogations que mon père avait, mais comme il a mis fin à ses jours, donc je peux plus discuter de ça, ou que lui résumait par qu'est-ce que les gens ont tant à se dire et qu'on n'est qu'une anecdote pour les autres, quoi. Ah oui. Maintenant, je ne sais pas comment répondre. Alors, d'une part, Olivier, moi, ce que j'avais envie de vous dire d'emblée, c'est que, vous savez ce que disent les psys, c'est que quand on parle toujours de soi. Donc, parler, c'est parler de soi, même si c'est parler d'autre chose. Et c'est dire, quelque part, il y a toujours le jeu qui est là. Et puis, sur le fait de ce lien entre les individus, en fait, c'est comme si vous disiez, finalement, à quoi ça sert d'être en relation? Moi, je vais vous répondre, ça sert à vivre, hein, tout simplement. C'est-à-dire que si je vous mets sur une île déserte, sans aucune relation, même avec une jolie maison bien chauffée et de quoi manger et vous nourrir, vous allez dépérir très vite, très très vite. Oui, je sais. Enfin, on a fait ça avec... vous m'excuserez de parler de cette personne, de Georges Cipriani. Oui. Enfin, je ne sais pas que je sois... avec une âme de terroriste, mais qu'on avait mis dans un quartier d'isolement et qu'on avait fait plus ou moins sombrer dans la folie. Enfin, j'espère pour lui qu'il est sorti de ça, que maintenant il a retrouvé un équilibre psychologique, mais je sais qu'on avait réussi à détruire cette personne, la détruire en partie. En l'isolant, quoi. Donc, ce que vous me dites ne me surprend pas. Oui, on est des animaux éminemment sociaux et sociables. Oui, tout à fait. Et il y a une vraie... Alors, vous dites que votre papa a mis fin à ses jours, si j'ai bien entendu. Et c'est vrai qu'il y a dans son acte, quelque part, un refus, une violence, de ne plus vouloir de relation à l'autre, mais parce que plus de relation à soi. Et vous savez, dans le « connais-toi toi-même » de Socrate, et tu connaîtras les autres et puis les dieux, c'est que c'est le chemin passe par soi pour aller vers l'autre, mais soit tout seul. Dans notre société aujourd'hui assez individualiste, on a tendance à pousser les gens dans le développement personnel ou la psy à dire il suffit d'avoir confiance en soi, de sentir bien, etc. Mais non, ce qui compte, c'est bien sûr se sentir bien, mais bien pour être ensemble, bien pour créer un collectif. Alors, serré, pas serré, distendu, après, à chacun de mettre ses distances dans les relations avec les autres.
Mais vivre, enfin, j'imagine, vous le ressentez vous-même. Ça ne veut pas dire, vous voyez, enfin, même aujourd'hui, on le voit chez les, enfin, chez les gourous, dans toute l'approche même spirituelle, beaucoup de spiritualité montre que, de doctrine spirituelle montre que, en fait, on continue à être en lien et relié, même loin les uns des autres, en fait. Hein, donc bon, après ça c'est des croyances, donc chacun croit ce qu'il veut, mais quand vous dites bah, finalement on est en lien, puis après il n'y a plus rien, est-ce qu'il n'y a plus rien? Il y a des gens, j'imagine, dans votre sphère familiale ou privée ou amicale, vous ne les voyez plus, vous ne les entendez pas, mais vous êtes encore en lien finalement avec eux, parce que vous pensez un tel, parce que vous voyez, je ne sais pas, un film, un livre, et puis ça vous fait penser à quelqu'un, enfin... Notre journée, nos images, nos pensées sont remplies de gens auxquels on pense. Non ? Oui, tout à fait, oui. Ben oui. Donc, c'est bien que nous sommes en lien, là, dans ces cas-là, non ? Oui, il y a ça, mais il y a aussi, comment dire, le fait, par moment, de pouvoir matérialiser ce lien. Parce que, disons que c'est, enfin, pour prendre une image, c'est comme si vous aviez un enfant de 4-5 ans qui ne voit jamais ses parents, etc., ou qui n'est en relation avec personne, simplement, de temps en temps, il reçoit une lettre où on lui dit, ou un coup de fil rapide, on lui dit, tiens, mon chéri, je pense à toi, au revoir, à demain, quoi. Enfin, à demain, à la prochaine fois. Donc, je veux dire, à un moment, je comprends ce que vous dites, qu'on peut, au détour de quelque chose, être relié à quelqu'un, etc., par la pensée, mais je pense que ça a besoin de se matérialiser. Alors, comme je vous dis, par un appel, mais même ça, par moment, la parole, et par moment, je me pose aussi la question de l'intérêt qu'il y a à parler, c'est-à-dire où par moment, quand je discutais de ça au travail avec quelqu'un, c'est-à-dire on peut parler à quelqu'un, et en fait, la seule chose qu'on entend, c'est simplement une voix, une mécanique vocale, c'est-à-dire des cordes vocales qui marchent, mais qui ne véhiculent rien. Et à ce moment-là, en quel cas, ce son pourrait être émis par une machine, mais parce qu'il n'émane rien de la personne. Mais on a simplement une émission de son. Vous êtes sûr qu'il n'émane rien? Il y a Kitty qui envoie un très joli mail, qui dit un SMS, qui dit « Proust parlait de consanguinité des esprits ». Regardez, faites l'expérience, vous êtes en voiture avec quelqu'un à côté de vous, et vous ne vous parlez pas. Hein, vous ne vous parlez pas. Mais vous la ressentez, la personne, elle est bien là. Vous n'êtes pas tout seul dans cette voiture. Je ne suis pas sûr. Justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que par moment, on peut avoir... C'est intéressant. Et je disais ça à Justin aussi, un autre exemple. Un jour, au cours d'une soirée qui était absolument magique, où des gens avaient bu, etc., certains fumaient, enfin bon, peu importe. Enfin, disons que tout ça avait été très joyeux, très, très amusant, etc. Et le lendemain, je crois que c'était au petit déjeuner ou au repas, je veux dire, il y avait toute cette magie, toute cette proximité entre les êtres avait complètement disparu. Et je reviens à cette image que j'employais tout à l'heure, où vous avez deux amas de chair, enfin, vous m'excusez d'expression, et vous passez entre et vous disiez, et quoi, il y avait hier soir un lien entre ces deux personnes? Excusez-moi, je ne le vois plus là. Enfin, je ne le ressens plus. Vous ne le ressentez plus, c'est ce que j'allais vous dire. Et d'autre part, ce qui m'apparaît dans vos propos, le sentiment que ça me donne, c'est que c'est un sentiment de solitude intérieure, c'est-à-dire où vous ne vous ressentez pas relié aux autres. Vous voyez, vous avez été en lien une soirée, le lendemain vous vous retrouvez, et le lien vous ne le sentez plus, vous êtes même nostalgique du lien de la veille, parce qu'il est comme plus là, le lien, il est dissipé. Donc c'est un peu comme si vous aviez une fréquence radio à l'intérieur de vous, voyez, coupée. Il y a des moments où vous avez le son, là vous m'entendez, puis paf, vous m'entendez plus. Puis hop, vous m'entendez. Et ça, vous voyez, alors après, il faudrait rentrer un peu plus en vous, dans votre histoire, mais sans doute c'est quelque chose que vous ressentez, vous, que tout le monde d'abord ne ressent pas. Et encore une fois, je prends l'exemple de la voiture tout à l'heure, vous me dites, ben non, il y a quelqu'un à côté de moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un à côté de moi. Mais pourtant, on est bien en vibration, bien en énergie, les uns et les autres. Et la présence, elle se ressent quelquefois sans mots. Regardez une table, par exemple. On est à table. Oui. On est 10 à table. Il n'y en a que 2 qui parlent ou 3 qui parlent. Mais vous ressentez les autres, vous... Qu'est-ce que vous voulez dire, les ressentez? Ben, en fait, je vais prendre un repas. On est à un certain nombre. 2 parlent, pas les autres. Mais il y en a un dont vous allez croiser le regard ou regarder l'attitude ou la personne qui va être assise à côté de vous et qui se tait. Quand je dis vous la ressentez à la façon dont, je ne sais pas, elle va bouger ses couverts, manger, il y a quelque chose qui passe d'elle en vous. Alors peut-être que vous n'y avez pas accès, voyez, mais elle, peut-être qu'elle y a, elle a cet accès. Disons,
enfin, oui, je crois comprendre ce que vous voulez dire. Un regard, vous voyez, là, je reçois un SMS, par exemple. Pourquoi un simple regard fait preuve de complicité entre deux personnes amoureuses ? Non, mais je crois aussi à ça. C'est-à-dire, je sais que de temps en temps aussi, ce lien qui peut s'établir entre les gens ne se traduit pas nécessairement par enfin, des attouchements, je veux dire, des caresses ou autre. Ça peut se traduire par des regards, par... de différentes façons, ça j'y suis sensible, mais ce que je veux dire, c'est que par moment, vous pouvez vraiment avoir deux personnes côte à côte et qui ne partagent rien, ni par le regard, ni par oui, bien ni sûr, par rien du tout. Mais il y a bien quelqu'un dans la pièce. Oui, mais quand vous êtes chez vous, la personne est là. Mais concrètement, est-ce qu'il y a une espèce de communication, même non verbale ou immatérielle? Oui. Là, je crois pas. Et par moment, j'ai le sentiment qu'il y a rien. Ah ouais. Quand vous êtes dans les transports en commun, par exemple. Bah oui, justement, quand vous êtes dans les transports en commun, vous ressentez pas la présence des gens? Bah, je les regarde. Ça fait pas une différence, un bus vide et un bus bondé? Bah, moi, j'ai l'impression souvent de voir des gens seuls. Enfin, d'une part, parce qu'il y règne un silence de mort, souvent. Et j'ai l'impression de voir simplement des gens les uns à côté des autres, qu'on a posés les uns à côté des autres, mais qui n'ont aucun lien. Par contre, si à un moment, vous allez mettre une musique ou je sais pas quoi, qui va tout d'un coup fédérer ou faire converger toutes ces énergies ou toutes ces vies, c'est ce que vous avez par exemple dans des concerts où je suis allé, enfin de pop musique ou ailleurs, où cette musique tout d'un coup va fédérer toutes ces personnes, et puis le concert s'arrête, et c'est comme si chacun revenait dans sa case. C'est comme ouais, si on prenait en fait, une feuille quadrillée, ouais. Tout d'un coup, chaque personne était dans son carreau, dans son carré, le chef d'orchestre arrive, le concert commence, on a une page blanche, c'est-à-dire avec tous les gens, mais il n'y a plus de carreau, le concert finit, on retrouve chacun dans sa case, quoi. Et toute communication, proximité tout d'un coup a disparu. Voilà. Enfin, vous exprimez clairement, ouais. Mais vous voyez, Olivier, en fait, vous parlez de vous et de votre ressenti. C'est que je pense que vous, dans ces moments-là, je reprends l'exemple du concert que vous avez donné, vous communiez très fortement, en fait, dès qu'il y a un élément qui permet cette communion, concert, soirée, etc. Et puis quand il y a un élément qui ne vous permet plus à vous d'être en lien avec les autres, vous vous sentez isolé et donc vous souffrez de cet isolement et vous dites mais à quoi ça sert tout ça ? Et je reprends mon image de fréquence radio de tout à l'heure. Quand vous êtes par exemple, je ne sais pas, avec un ou une amie dans une pièce ou chez vous, voilà, est-ce que sans rien dire, vous ressentez la présence de cette personne ? Mais c'est pareil, enfin, je reviens à la question au sens du mot ressenti. C'est-à-dire, par moment, je peux être dans la même pièce que la personne avec laquelle je vis et ressentir quelque chose. Et puis d'autres fois, c'est simplement une présence physique. Et vous ne croyez pas que c'est normal, ça, Olivier ? Non ? On n'est pas un peu tous comme ça ? C'est-à-dire dans le sens où on rentre aussi. Vous voyez, on a des états. On passe des états. Je reprends maintenant l'exemple du bus bondé. Oui. Vous dites les gens sont isolés parce qu'on est chacun nous-mêmes dans ces cas-là. On ne cherche pas la relation. On est là pour faire un trajet dans le bus, qu'il soit plein, qu'il soit vide. On ne cherche pas la relation. Ou quelquefois, il y a des gens qui vous parlent parce qu'on sent qu'ils ont envie de vous parler. Mais les trois quarts du temps, on est tous dans notre objectif de journée en disant je fais un trajet de cet endroit à cet endroit-là et je ne ressens pas le besoin du lien. Oui. On l'est de fait en une forme d'énergie, mais on ne le ressent pas parce qu'on est préoccupé dans ses pensées, dans sa propre vie. Mmh. Mais ça, ce sont des alternances. C'est les alternances de notre quotidien où on est aussi parfois en lien et pas en lien, parce que quand on ne l'est pas... Si on l'était tout le temps, on serait quasi extérieur à nous-mêmes, vous voyez. Mmh. C'est-à-dire qu'on est relié, mais pas forcément à l'intérieur. On est relié, le fil, reprenant votre idée de câble, il est plus ou moins épais, plus ou moins gros. Mais il y a toujours où ça peut être aussi un tout petit fil très très ténu, mais ces petits fils, c'est quand on a besoin de rentrer en nous-mêmes. On a ces périodes, ça nous arrive quelquefois de pas forcément avoir envie d'échanger, d'avoir envie d'être seul chez soi, d'être bien avec soi. Et ce soi va permettre après de réenclencher un lien à l'autre. Vous voyez, c'est des allers-retours. Et ça me semble un cycle assez sain et assez normal de la vie, mais ça ne veut pas dire que quand il n'y a plus, il n'y a plus rien. Vous voyez, ce que vous disiez au départ, c'est il n'y a plus, il n'y a plus rien. Oui, non, il y a, mais il y a un autre lien. C'est-à-dire qu'il y a
c'est des espaces, hein. C'est des, on dit en communication, enfin en psy, quand les gens sont, c'est des sphères en fait, hein, qui rentrent ou non en contact, oui. Et puis de recoupement un peu comme en mathématiques, vous savez, histoire de diagramme qui se recoupe, quoi. Oui. Et ben on se recoupe plus ou moins. Quelquefois on peut être juste un peu accolé, et puis il y a pas de zone de recoupement. Mais pour autant, c'est ça, c'est insaisissable. Vous voyez, mais peut-être, voilà, vous pourriez continuer à réfléchir à vous et à vos ressentis par rapport à ça, parce que ça paraît vous préoccuper, peut-être même vous faire souffrir d'un lien qui, j'imagine, vous vivez très fortement quand il est là, et puis vous, du coup, vous êtes très seul quand il est plus là, vous voyez, avec ce sentiment de... Oui, non, enfin, disons, bon, oui, je peux réfléchir à ça. Bon, maintenant, je sais que je subodore bon l'origine de ce sentiment. Je pense pas détenir la vérité. Ça n'est qu'une impression. Oui, c'est mon ressenti. Bon, oui. Voyez, il y a quelqu'un qui vous dit oui. Si la faiblesse dans certaines situations du lien entre les individus frappe-t-on Olivier, c'est peut-être parce qu'il a une peur de la solitude. Je suis assez d'accord. Et puis ce n'est pas parce que rien nous relie que les gens sont inexistants. Il y a à vous interroger sans doute, Olivier, sur votre rapport à la solitude et à la présence. Ouais. Ouais. Je vous laisse là-dessus. Comment? Je vous laisse là-dessus parce qu'on va accueillir d'autres auditeurs. D'accord. Olivier. Okay. Hein, bon. Merci d'avoir appelé. Bah, c'était intéressant, prie. Vos questionnements. Bah, je vous en prie. Merci à vous. Bonne bonsoir. À vous. Bonsoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Alors Sarah, bonsoir. Oui. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien Sarah. Oui, bonsoir. Oui, allez-y. Oui. Oui, alors, excusez-moi, je suis un peu timide. Non, ben, allez-y, je vous écoute, je suis là. Donc voilà, moi je vous appelle par rapport à, en fait, je crois qu'on a dû vous dire par rapport à la relation avec ma mère. Oui, avec votre maman. Voilà, parce qu'en fait... Donc vous avez 29 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai 29 ans. Donc, voilà, c'est une situation un peu particulière, parce que bon, moi je suis là pour l'instant en recherche d'emploi. Et vous vivez chez votre maman? Voilà. Donc, voilà, ce qui est un peu, compliqué. Mais vous êtes toujours, enfin, vous avez jamais quitté, vous avez vécu un peu seul et vous êtes revenu après chez votre maman ou c'est, enfin, vous avez fait, je sais pas, des études ou un peu travaillé et après. Bah oui, si, j'ai fait une formation où je suis partie quand même déjà. Je suis partie lorsque j'ai fait mes études de lettres modernes, parce que j'ai fait des études de lettres modernes, je suis partie à Angers. Et puis après, je suis partie à Laval pour ma formation, pour être libraire. Ouais. Et voilà, et puis après, je suis revenue. Ouais. Et donc voilà. Et vous n'aviez pas de logement, et donc vous êtes allée chez votre maman. Voilà, c'est ça. Ouais, et ça vous aviez, il y a combien de temps? Bah là, ça fait depuis le mois de décembre. Ah d'accord, donc c'est tout court. Mm-mm. Ouais. Voilà, et il se trouve que ma mère en fait pense que pour moi ce serait mieux de partir de chez elle parce que ça m'aide pas et elle pense que voilà le en gros, que le rôle des parents, c'est de pousser les enfants à partir. Et... Oui, d'accord, dans l'absolu. Mais là, si je comprends bien, Sarah, vous êtes déjà partie, vous avez fait votre chemin, vos études. Il se trouve que là, vous avez besoin d'un logement parce que vous cherchez un emploi. Donc, vous êtes en transition. Et seulement depuis décembre. Donc, bien sûr que dans l'absolu, on va dire bah oui, qu'un jour, il faut quitter le lit familial et voler de ses propres ailes. Mais là, vous n'avez pas les moyens de vous payer un logement aujourd'hui. Vous n'avez pas d'emploi. Bah ouais, je sais bien. Bah oui.
Je pense que ma mère le sait aussi. Elle doit le savoir aussi, j'imagine. Mais bon, elle le voit peut-être pas de la même façon. Vous avez pu en discuter de cette façon-là avec votre maman? J'ai essayé, mais bon, c'est pas toujours évident parce que bon, ma mère, elle a des idées bien arrêtées. Oui, c'est ce que j'entends. C'est du principe, ça. Elle est dans le principe, mais pas dans la réalité. Il y a un principe qui est de dire oui. Évidemment, on passe pas toute sa vie chez ses parents et un jour faut voler de ses propres ailes. Mais là, on n'est plus dans le principe. Il y a une vraie histoire, une réalité qui fait que vous avez en plus été courageuse. Vous avez fait des études, vous avez des diplômes. Aujourd'hui, vous cherchez un emploi. Qui mieux que chez maman ou papa ou chez ses parents. Enfin, dans la famille, on peut être logé le temps de repartir. Et votre papa est toujours là ou? Non, mon père est décédé. Ah. Et vous avez des frères et sœurs? J'ai un frère, oui. Qui, lui, vit... Lui, il est plus grand, il a 50 plus que moi. D'accord. Il vit dans la même ville, mais pas dans... Bon, il est parti de chez ma mère quand même. Il vit dans la même ville quand même. Et vous avez le sentiment que, à part ce principe-là qu'elle dit, vous avez le sentiment que... Enfin, que vous dérangez votre mère dans quelque chose. Enfin, vous voyez, comme vous êtes revenue, elle est peut-être déstabilisée par votre tour. Vous voyez, peut-être, oui. Qu'elle n'arrive plus à s'adapter elle-même, je ne sais pas. Oui, parce que je pense qu'elle a des habitudes bien particulières et que peut-être qu'effectivement, je viens déranger ça un petit peu. Et voilà. Et moi, en même temps, bon, moi, je me rends compte que de toute façon, la relation, elle est vraiment très différente. Maintenant, il y a beaucoup plus de distance. Oui. Et moi, du coup, le problème, c'est que moi, comme je suis un peu sensible, ça me fait un peu souffrir. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Je trouve ça très douloureux, Sarah, ce que vous vivez. C'est très douloureux parce que. On reste toujours l'enfant de sa maman et de sentir qu'on n'est pas le bienvenu, pas la bienvenue. En plus, encore une fois, vous êtes méritante. Hein, vous revenez pas comme ça à son crochet. C'est juste le temps de trouver un travail, ce que vous disiez. Et bon, c'est court. Hein, on est qu'en mois d'avril. Vous êtes revenu en décembre. Aujourd'hui, trouver un travail, c'est quand on est jeune diplômé, c'est pas si facile. C'est difficile de lui dire tout. Enfin, est-ce que ce serait possible à votre, je sais pas, je me rends pas compte des relations, de lui dire voilà que vous sentez, que ça vous fait souffrir, quoi, que ça vous blesse, quoi, de vous sentir rejeté. Ça, je pense qu'elle le sait puisque lorsqu'elle m'a dit ça, c'était ce matin, je me suis complètement effondrée et tout. Donc, je pense qu'elle l'a bien vu et elle m'a dit mais. Elle m'a expliqué, elle m'a dit que ça allait être dans la même ville et que je pouvais passer quand même de temps en temps. Mais elle va vous aider financièrement à avoir ce logement ou vous devez Oui, elle dit que si financièrement, bien sûr, c'est pas évident pour moi, elle m'aidera financièrement. Oui, ça bien sûr, oui. Oui, parce que là, partir comme ça. Donc elle est prête à financer votre départ. Oui, s'il le faut, oui, bien sûr. Oui, parce qu'à la limite, ça paraît être la seule solution si c'est ce qu'elle veut, mais en même temps, encore une fois, et elle a de la place, enfin, pour vous recevoir. Bien sûr, oui, la maison est grande. Hein. Ah, c'est une maison, oui. Oh là là, oui, mais il faudrait, enfin, qu'elle... Bon, c'était ce matin, donc ce que vous avez dit, mais parce que là, elle est calée sur un principe. C'est vrai que j'entends beaucoup d'émotions dans votre voix, je le comprends. C'est peut-être aussi bon pour vous. Vous voyez l'occasion. Peut-être vous avez gardé un lien très très fort avec elle et du coup vous le vivez. Voyez plus comme une petite fille, ce qu'elle vous a dit, comme une jeune femme. Ce qui peut se comprendre, hein, Sarah, mais du coup, l'émotion, elle est très, 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 très forte parce que peut-être que les propos entendus ce matin, ils ont été entendus par une femme beaucoup plus jeune, hein, par la petite fille qui est en vous. Oui, sûrement, oui. Ouais. Alors peut-être que aussi, ça réveille une angoisse quand vous étiez enfant d'avoir été rejetée ou que votre maman ne voulait plus de vous, vous voyez ? Oui, peut-être, oui, il y a peut-être ça. Et puis, peut-être, je pense surtout
la peur de pas réussir à mener ma vie seule, quoi. Ah oui, parce que vous souffrez de ça, c'est ça? Vous pensez que c'est lié? Je pense que il y a un peu de ça. Ouais, oui. Non, Sarah, non, c'est pas. Non, c'est plus accroché au passé qu'à l'avenir, parce que vous avez. Ça s'est bien passé quand vous faisiez vos études dans d'autres villes? Oui. Vous aviez du mal à vivre. Enfin, vous étiez en coloc, en colocation ou? Disons que non, j'étais dans un studio, mais bon, je m'étais fait des amis quand même lorsque j'étais à la fac. Ouais. Et puis, en fait, il y en a surtout une avec qui, bon, j'ai encore des contacts avec elle. Ouais. Et puis bon après j'ai fait ma formation et bon je suis restée en contact avec elle et puis c'est vrai qu'après il y a eu d'autres personnes que j'ai vues lorsque j'ai fait ma formation libraire. Et voilà et puis après on est Et votre maman vous manquait là à ce moment-là? Ça dépendait des moments. Ouais. Ça dépendait des moments oui parce que ma formation, quand j'étais libraire, à des moments, ça se passait pas forcément très très bien, donc. Et quand vous l'appeliez, elle vous réconfortait, enfin, il y avait un lien. Oui. En général, oui. Oui. Parce que Sarah, souvent les parents ont des principes d'éducation parce qu'ils veulent aussi le bien de leurs enfants. Peut-être que maman ne cherche pas à vous faire souffrir et vous blesser. Elle a ce principe et en soi le principe est bon. Hein, et voilà, hein, elle a raison. Peut-être qu'il faut dialoguer avec elle des modalités, mais comme vous ressentez la situation avec une émotion très très forte, c'est compliqué pour vous, vous voyez. Donc il faudrait prendre un peu, enfin remettre les choses un peu plus à distance de vous, prendre un peu de recul, vous dire que bon, il y a sûrement une très forte angoisse de la petite fille, vous voyez, l'angoisse de l'abandon, quoi. Hein, on l'a tous enfants. Hein. Ouais. Donc il y a peut-être quelque chose de très très fort là, parce que maman m'a dit ça, alors elle me rejette. Mm-hmm. Mais c'est pas tout à fait vrai vu votre âge et vu visiblement ce qu'elle a voulu vous passer comme message. Peut-être que vous pouvez reparler des modalités, donner un délai, du temps que vous allez trouver, vous voyez. Oui, mais de toute façon, elle m'a dit que c'était pas tout de suite maintenant, quoi. Pas tout de suite, mais un peu plus tard. Et puis voilà. Oui, alors elle vous parle peut-être aussi de sa crainte. Vous savez, peut-être que vous êtes chacune, enfin c'est une option hein, que j'imagine là tout d'un coup, vous êtes chacune dans une peur, vous une peur d'abandon très forte, de rejet, et puis elle dans la peur de « elle va s'accrocher à moi, elle ne pourra pas faire bien sa vie, j'aurais pas été une bonne mère et elle ne saura pas voler de ses propres ailes ». Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Je pense que c'est ça parce que... Et puis elle pense peut-être que, effectivement, peut-être qu'elle m'a beaucoup protégée. Quand j'étais petite. Ah oui, alors ça lui renvoie, elle se dit, ah, j'ai peut-être mal fait, du coup maintenant elle n'arrive plus à partir. Voilà, je pense que oui, effectivement, il y a peut-être ça. Ouais. Vous voyez, alors peut-être que maintenant elle se reproche d'avoir été trop fusionnelle avec vous, ou à trop vous couver. Alors un peu comme une maman qui voit son oisillon grandir un peu trop vite, pouf, elle le pousse, vous voyez, en disant maintenant vole, un peu brutalement parce qu'elle est elle-même inquiète. Il y a peut-être beaucoup de maladresse entre vous, parce que moi, je sens plutôt une jolie relation assez forte. Mais voyez-vous, un peu comme les fusions amoureuses, hein, les fusions mère-fille, c'est toujours un peu compliqué à détricoter. Et chacune est ultra réactive aux propos, aux agissements de l'autre, parce que chacune veut bien faire, voyez. Vous êtes chacune très attachée. Donc, dans cet amour, on peut se blesser très fort. Vous, parce que vous voulez pas la décevoir et vous voulez faire comme elle voudrait que vous fassiez, mais en même temps vous l'adorez et vous avez peur qu'elle vous rejette. Et puis elle, de son côté, elle veut être une bonne maman, elle a peur d'avoir mal fait en se disant oh là là, j'ai pas dû l'aider, alors un peu brutalement, paf, elle vous pousse hors du nid. Mm-mm. Vous voyez, ouais. Sarah, donc c'est un peu, il faudrait arriver à
en apprivoisant l'idée là que je vous donne et en vous mettant un peu à la place de votre maman, c'est-à-dire en n'imaginant pas qu'elle veut vous abandonner, mais en comprenant que c'est un peu pour votre bien, enfin c'est son angoisse qui parle. Vous voyez, en fait, c'est angoisse contre angoisse là, votre système. Vous êtes dans la peur et elle est dans la peur. Elle dans la peur de mal faire et vous dans la peur du rejet. Alors, ces deux peurs-là, c'est terrible. Alors, il faut inverser. Ouais. Vous, un peu abaisser votre... Enfin, raisonner votre peur, parce que c'est une peur de toute petite fille, et que là, vous pourriez arriver à la raisonner à votre âge. Et puis, comprendre celle de votre maman, qui est une peur légitime aussi, hein, de maman avec une fille de votre âge, en la rassurant, en lui disant « Mais j'ai bien compris ce que tu m'as dit, tu as raison. » Mais tu vois, je suis pas encore prête parce que j'ai pas un travail, mais c'est vrai, bien sûr, on va y arriver. Et la rassurer, du coup, elle va vous dire, oh, mais surtout, je veux pas te mettre dehors. Vous voyez, ça se trouve, elle va, voilà. Oui, bah oui, c'est ça. C'est ça qu'elle dit. Elle dit que, voilà, la porte est pas complètement fermée non plus, que je peux passer de temps en temps. Ouais, voilà, voilà. Alors, il y a Fred qui demande, Sarah a-t-elle une vie amoureuse? Elle n'en parle pas, c'est une composante importante. Oui, c'est vrai, Fred, oui. Vous avez une... Bah, oui, justement, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que, tu sais, comme c'est le vide à côté, peut-être que ça prend trop de place, oui. Oui, voilà, ouais. Peut-être qu'il y a ça aussi. Et que ça doit être aussi un autre sujet d'inquiétude, peut-être aussi pour votre maman. Mais bon, à la limite, laissez à votre maman, ses inquiétudes, qui sont des inquiétudes de maman. Si vous les comprenez un peu, ben, vous envoyez des petits messages comme ça, un petit peu rassurants. Puis vous allez voir qu'elle va, du coup, en s'apaisant, être sans doute moins maladroite avec vous. Voyez, et du coup, moins vous blesser. Parce qu'en étant moins maladroite, ça vous blessera moins. Ouais. Oui. Bon, Sarah, je vous souhaite bon courage à vous. Bah, merci. Merci à vous. Hein, merci. Merci, puis bonne soirée, bonne nuit. Bonne fin de soirée, bonne nuit, au revoir Sarah. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1, 39 21, 34 centimes la minute. On accueille Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir. Vous m'entendez Marc, oui? Oui, je vous entends très bien. Voilà. Il y a peut-être, vous avez peut-être un... Il faut peut-être éteindre votre radio derrière vous, parce que j'entends, voilà, un écho. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors Marc, vous nous parlez de votre couple, c'est ça? Oui, écoutez, moi j'ai eu une relation depuis 8 ans avec une jeune femme qui a 20 ans de moins que moi. Donc je l'ai connue très jeune, donc je suis sorti avec elle quand elle avait 19 ans. Et donc on a un enfant de 5 ans, et donc il y a un an, elle a vécu une aventure avec quelqu'un sur le lieu de son travail, juste à côté de son travail, une personne qui avait une brasserie à côté de son magasin. Donc, il y a eu une coupure dans notre couple pendant 3 mois. Mmh. Et elle a quitté le domicile pendant les 3 mois ou... Non, elle travaillait toujours. Donc, après, donc, mais vous... c'est sûr, parce que moi, j'étais en rapport quand même avec la personne avec qui elle était. Par rapport à mon fils de 5 ans. Donc moi, je lui dis, écoutez, vous vivez une histoire d'amour, écoutez, moi, j'ai mon fils, c'est plus important que tout. Si vous vous aimez, vous pouvez vivre votre histoire. Bon, j'avais fait une croix sur notre relation amoureuse. Ouais. Et après, bon, ça a duré 3 semaines. Donc elle m'a dit, bon, moi, j'étais en voyage à l'époque. Je suis parti, j'étais au Maroc. Et elle m'appelle, elle me dit, bon, c'est fini, je l'ai laissé, c'est moi, hein, donc c'est un con, voilà, je vais reprendre avec toi, et tatati, tatata. Donc, à mon retour du Maroc, donc, moi, j'étais pas trop chaud pour reprendre avec elle, mais bon, j'ai repris par amour pour elle, parce que je l'aimais, je l'aime toujours. Et donc, pour notre fils, donc, mais quelque part, il n'y a pas eu d'explication, vous voyez. Donc, il n'y a pas eu d'explication, le pourquoi, le comment. Et vous n'en avez pas discuté ensemble, oui. Pardon ? Vous n'en avez pas discuté ensemble ? On en a discuté, mais c'est toujours, oui, mais de toute façon, un jour ou l'autre, il fallait que... Elle m'a presque expliqué qu'il fallait... Que ça qu'elle me trompe avec un autre homme pour rester avec moi. D'accord. Donc c'était sa logique à elle. Mmh. Bon.
Et moi, par amour, donc, je suis resté avec elle. Donc, je lui ai pris un appartement. On a essayé de tout refaire. Donc, pendant 4-5 mois, ça a été très bien. Et par contre, avant de reprendre avec elle, donc, elle a mis un ultimatum. Elle dit, voilà, écoute, le mois de mai, c'est le mois de mai dernier, donc c'est proche. Hein, donc, c'est pour ça qu'il y a une crise d'un an. C'est pour ça que je vous appelle. C'est que... Elle m'a dit, laisse-moi un mois, parce que je ne peux pas passer des bras, c'est terme, hein, je ne peux pas passer des bras d'un homme à un autre et tout. Et je dis, mais attends, mais tu es en train de me dire, moi je suis resté 8 ans avec toi, tu ne peux pas reprendre avec moi, par quoi? Donc il y a eu un break du mois de mai, donc elle ne voulait pas avoir de rapport avec moi, elle ne voulait pas me toucher, tout ça. Enfin, ça a été très compliqué. Donc après le mois de juin, on a repris comme si de rien n'était. Et donc moi, quelque part, j'étais presque heureux de cette reprise, donc je n'ai pas posé des questions qui fâchaient. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, c'était au mois de juin. Et après, au mois de septembre, j'ai fait un voyage, parce que je suis d'origine arménienne. Je suis parti, j'avais besoin de me ressourcer, de reprendre un peu des forces et tout. Et je suis parti en Arménie. Mm-hmm. Donc, la personne qui... Donc, et elle, donc, j'ai su que... Trois fois dans la semaine que j'étais en Arménie, elle est allée manger dans la brasserie où travaille la personne. Ah, et donc, quand je suis rentré, je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Oui, mais bon, c'est fini, c'est l'histoire ancienne, tu comprends. C'est toi qui es tordu, faut pas penser à mal. Moi, je vais faire la monnaie, je bois mon café, j'ai mes tickets restaurant, je mange chez lui, le truc et tout. Mais bon, c'était un peu bizarre que trois fois dans la semaine que moi, je ne suis pas là, elle mange là-bas alors qu'elle ne lui parlait pas une semaine avant. Bon. Et donc, cette tension, elle est restée depuis un an. Donc, chaque fois, je lui dis, mais pourquoi tu vas là-bas? Par respect pour moi, tu ne devrais pas. Et le truc, et le ci, et le là, bon. Et elle vous a dit qu'il n'y avait plus du tout de relation avec lui? Elle est peut-être restée en relation amicale ou... Oui, voilà. Oui. Parce que lui, il a une relation. Mais elle me rassure, elle me dit, oui, mais lui, il est avec quelqu'un, tu comprends. Oui, donc ils sont restés amis. Voilà. Oh, d'accord. Mais moi, j'ai, peut-être je suis tordu, j'ai un caractère non. bizarre. Non, vous méfiez. Moi, je supporte. Oui. Donc voilà. Voilà. Je me suis méfié. Mais elle me dit, mais c'est un connard, le truc, le ci, le là. Mais je lui dis, mais tiens, connard, mais bon, tu m'as quand même trompé, tu as voulu me laisser, on a un enfant, parce qu'elle avait fait des projets de voyage avec lui, lui, il avait un ami un psychologue, donc il voulait voir le petit pour voir le traumatisme par rapport à la... Enfin, c'était quand même sérieux, c'était pas qu'une aventure, ouais, d'accord. Comme ça, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Donc, et ça fait un an qu'on est ensemble. Donc, je lui prends un appartement, le truc et tout. Et elle se détache de plus en plus de moi. Et tous les jours, je lui dis, mais écoute, tu veux pas qu'on arrête? Tu veux pas qu'on arrête? Bon, moi, j'ai vu un psy parce que moi, j'avais mis un psy. Et donc, tous les jours, oui, mais tu comprends, je te dirai le mois prochain, je te dirai ci, je te dirai ça. Et donc, il y a eu un mois, le mois dernier, bon, moi, j'ai passé le cap et je suis allé voir la personne, je suis allé voir l'aide, j'ai fait un scandale dans son travail, au travail de l'autre. Bon, lui, il était étonné que j'aille le voir, puisqu'il n'avait plus rien à voir. Et donc, moi, je me retrouve comme ça, et elle parle avec mes amis, mais Marc, il ne comprend rien, et moi, je l'aime, je veux faire ma vie avec lui, Et Marc, là, vous me dites que vous allez voir un psy. Est-ce que vous n'envisageriez pas, avec elle, de voir, garder votre psy, hein, ça n'a rien à voir ce que je vais vous proposer, d'aller voir un thérapeute de couple ensemble? Enfin, parlez-en à votre mais psy, mais... Elle ne veut pas. Et pourquoi elle ne veut pas? Parce que je lui ai proposé. Oui. Parce que bon... Ah, j'avais pas entendu. Et pourquoi elle veut pas? Mais quels sont ses arguments? En fait, j'ai l'impression qu'elle a pas beaucoup d'arguments chaque fois que vous essayez de parler avec elle. Elle a souffert d'un problème à la naissance de notre enfant. Mm-hmm. C'est que 6 mois avant, son père s'est suicidé. Et donc après, elle a eu des tocs. Oui. Donc elle a eu des tocs et donc toute la grossesse et un an après la naissance de notre fils, c'était très 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 compliqué notre couple. Donc
Bon, je ne rentre pas dans les détails des tocs, il fallait tout nettoyer, il fallait que tout soit nickel. Ouais. Bon, bah, justement, raison. Et elle a vu un psy après? Non, elle n'a pas voulu? Non, elle en a vu 4 ou 5, mais donc elle ne persistait pas. Quoi. Donc c'était. C'est intéressant parce que là, quand vous parlez de son choix de psy, puis vous voyez la façon dont elle se comporte avec vous et son aimant, on a l'impression d'une femme qui n'arrive plus à savoir très bien ce qu'elle veut, qui est un peu perdue. Hein. Elle veut quelque chose, puis le lendemain, elle veut autre chose, et puis vous passez par tous les trous de souris, mais vous êtes en face de. C'est tout à fait ça. Hein, c'est le ressenti que j'ai en vous écoutant. C'est tout à fait ça. Ouais, et du coup, c'est compliqué parce qu'elle est fuyante, en fait, hein, un peu comme un poisson qu'on attrape et vous passe entre les mains. C'est tout à fait ça. Ouais, ouais. Donc, moi j'attendais le bébé. C'est un peu compliqué parce que moi, j'attends tous les jours qu'elle me dise bon, c'est fini. Oui. Qu'on arrête notre relation. Et presque, ça me ferait du bien parce que. Oui. Et si vous êtes avec elle, je souffre tout le temps. Vous souffrez tout le temps. Donc, mon fils souffre. Donc, moi, j'ai une fille qui est plus grande qu'à 11 ans de notre mariage. Donc, elle ne la supporte pas, elle ne supporte rien. Et voilà. Donc, sa vie, c'est gravité dans son magasin, dans les nouvelles. Est-ce que vous. Le centre commercial. Quand vous lui parlez de vous. Marc, quand vous lui dites voilà, moi, bon, vous avez fait plein de propositions qu'elle a dit non, mais si vous dites là ce que vous venez de me dire, voilà, moi j'en peux plus là, de cette situation, moi je souffre, soit on essaye vraiment d'avoir une vraie discussion, même si ok, tu veux pas la thérapie, tu veux rien, mais on essaye vraiment de se parler parce que moi, ça c'est plus possible pour moi, je suis malheureuse. Elle peut entendre ça? Vous croyez qu'elle peut entendre? Non, à l'heure actuelle non. Ouais, c'est qu'elle n'est pas bien, en fait, elle. Le problème, c'est qu'elle n'est pas bien. Mais moi je l'ai connue, mais... comment dire elle n'a jamais été bien. Donc, depuis 8 ans... Donc, et vous pouvez parler avec ses amis ses amis, puisqu'elle a l'air d'avoir des amis. Parler avec ses amis femmes et... Non, mais elle n'a pas d'amis. C'est-à-dire que les amis qu'elle a, c'est toujours par rapport au travail. Donc, ils ne la connaissent pas... ils la connaissent que sur son lieu de travail. Ouais, d'accord, donc, je comprends. Sa vie, c'est le travail. Vous disiez, j'ai peur qu'elle me quitte, mais visiblement, elle ne vous quittera pas. Écoutez, mais je vais vous dire quelque chose qui est tordu. J'aimerais même qu'elle me quitte. Oui, ce que vous disiez, tellement vous souffrez. J'ai cette libération, parce que elle parle toujours, donc je t'aime. Quand c'est mes amis qui la questionnent, oui, mais je l'aime et tout, ci, le là, mais il n'y a pas d'amour. Oui, Marc, là, la marque, il va falloir bien vous faire aider par votre psy pour arriver, voyez, à dénouer les fils, à rentrer en vous-même et à savoir ce que vous voulez, parce qu'il y a sûrement des décisions douloureuses et pour elle et pour vous à prendre là. Mais ça ne va pas être facile. Et je comprends, mais je suis c'est rassuré de savoir que vous voyez un psy, parce que ça va vous aider dans vos décisions. Mais c'est des décisions maintenant. Vous arrivez au nœud du truc. Voilà, je suis obligée de vous. Voilà, je suis obligée de vous laisser, Marc. Il est une heure. Je vous remercie. Merci à vous. Merci d'avoir appelé. Bon courage, Marc. Au revoir.